qu'on aime bien chez lui, c'est qu'il est autant capable de s'émerveiller devant un lynx que devant un escargot dans sa maison. C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ce matin à la Maison de la Rivière qui s'apprête à dévoiler l'univers du peintre naturaliste Jacques Rime à travers une rétrospective exceptionnelle intitulée « Quand Jacques Rime avec nature » exposant plus de 60 de ses œuvres jusqu'au 24 mars prochain. L'exposition succède à celle consacrée à Robert Reynard en 2018 hein, qui célèbre l'amitié également entre les deux artistes et la passion de Rime pour la faune de sa Gruyère natale à travers des dessins et des peintures inspirées de ses nombreuses heures d'observation. Cette exposition permettra aux visiteurs de découvrir le résultat d'années de passion et d'heures innombrables d'observation de la nature, justement. Et pour en parler ce matin, je reçois Aline Cardinaux, qui est responsable communication de la Maison de la Rivière à Tolochna. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous de si bon matin pour nous parler de la Maison de la Rivière et de cette exposition qui se tient, on l'a dit, pendant quelques mois du côté de Tolochna. Quelle est l'inspiration de cette exposition justement et qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver concrètement durant ces quelques semaines d'exposition ? Alors cette exposition elle est née comme vous l'avez dit, elle a commencé à naître en 2018 quand on a fait une exposition sur Robert Reynard. Ouais. Et en fait dans cette exposition il y avait un coin qui était réservé à quelques complices de Robert Reynard. Mmh. Et c'est là qu'on a rencontré ce fameux Jacques Rime, donc, qui est un artiste naturaliste gruyérien. Ouais. Et donc c'est un homme qui est vraiment incroyable, qui est passionné par la nature, par la faune, et qui a passé des heures et des heures dans la nature, comme vous l'avez dit, à observer cette faune et à la dessiner. Mmh. Et donc l'idée c'était de valoriser en fait son travail et puis de travailler avec lui pour le faire connaître et profiter de ses œuvres pour les montrer à la Maison de la Rivière. Ouais. Donc là il y a, comme vous l'avez dit, une soixantaine d'œuvres qui sont présentées au public, à l'intérieur, à l'extérieur du centre, donc des œuvres originales, des reproductions... Son travail aussi qu'on essaie de présenter au travers de matériel et autres, et vraiment montrer un peu ce personnage, qu'est-ce qu'il fait. C'est un travail très précis, hein. On l'a dit, c'est des heures d'observation, et donc là on a peut-être l'occasion de découvrir justement ces heures de travail avec des détails auxquels on n'avait peut-être pas encore fait attention jusqu'à aujourd'hui. Ouais, alors effectivement, des heures déjà, donc c'est un artiste qui dessine des animaux donc vivants, il a vraiment cette volonté, vivant et en liberté, si je peux dire. Donc, il a vraiment cette volonté d'aller faire des... On appelle ça des veillées. Donc, vraiment, de passer du temps dans la nature, d'observer, de chercher la bête et ensuite de la reproduire. Et après, bien sûr, oui, quand on connaît sa technique, c'est vraiment des heures. Il travaille principalement en lithographie. Donc, ça va être du dessin sur de la pierre qui reproduit ensuite couleur par couleur sur du papier pour faire le rendu final. Mmh. Et quand on peut observer ça, c'est impressionnant le rendu... comment il arrive à dépeindre cette nature et ces animaux qu'il a observés. Donc il y a une espèce de continuité par rapport à cette première exposition dont on parlait tout à l'heure avec M. Hénard et celle de M. Rime. Ils se connaissaient. Quel est le lien entre les deux alors ? C'est difficile à dire. Non, ils avaient un lien qui était très très fort. Donc Jacques Rime a connu son travail à Robert Hénard. Il était vraiment très admiratif de lui. Et ils se sont rencontrés ensuite, sauf erreur, pendant un reportage qui était tourné par la RTS, qui les a mis en contact. Ouais. Et après, ils sont vraiment devenus très complices. Jacques Rime, il parle d'une sorte de... une relation avec un grand-père, finalement, un maître. D'accord. Et ils ont passé justement des heures aussi dehors à observer les deux ensemble. Robert Hénard a observé son premier lynx en Suisse. Enfin, même son premier lynx, sauf erreur, grâce à Jacques Rime, en faisant une veillée les deux ensemble. Donc, c'était vraiment un lien très particulier. Et on a d'ailleurs, c'est assez sympa, à la Maison de la Rivière, on a les deux œuvres que les deux artistes ont produites au moment où ils ont observé le lynx ensemble. Donc, il y a la version de Jacques Rime du lynx et la version de Robert Reynard. Très, très intéressant, effectivement. Alors, quelles sont les activités et événements autour de cette exposition à la Maison de la Rivière et pendant cette exposition ? Alors, on a déjà de la chance. Jacques Rime était assez, on dit, mais réticent au début à faire cette exposition. Ah, il a mis un petit peu en France, une personne qui est assez discrète et, voilà, et qui a mis du temps à accepter de faire cette expo. On a réussi à créer vraiment un lien avec lui et maintenant, on a cette exposition. Il est très impliqué dedans et du coup, il va venir. On a les dates sur notre site internet, mais pas mal de fois à la Maison de la Rivière pendant l'expo. Donc, vraiment pour échanger avec le public et pouvoir présenter son travail. Il vient une dizaine de fois ou une quinzaine même. On a le 10 décembre une conférence aussi qu'il va donner à 15h, donc là où il va projeter des œuvres, les présenter, raconter les histoires qu'il y a autour. Ouais. Et puis on aura encore un atelier l'année prochaine pour les enfants aussi, ça c'est encore un peu tenu surprise. Mmh. Et une visite guidée à la clôture aussi de l'exposition où il sera présent pour parler de son travail et
D'accord. Montrer tout ça en live, avec les anecdotes qui vont avec, parce que c'est vraiment un plus que... de l'avoir sous la main. Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est que c'est intéressant, s'il y a des anecdotes en plus à raconter, voilà. Effectivement, en tous les cas, c'est un travail absolument magnifique que vous avez l'occasion de pouvoir découvrir durant cette exposition à la Maison de la Rivière. Maison de la Rivière qui est ouverte toute l'année, tout le temps, on peut venir la visiter, ou quels sont les horaires, oui. Ça vous fait sourire, j'ai une bêtise apparemment. Non, c'est juste, on est ouvert toute l'année, ce qui est un peu spécifique, entre guillemets, pour un centre nature. Ouais. Et là, on est par contre dans les horaires hivernaux, donc on est ouvert les mercredis, samedi et dimanche, de 10h à 18h. Okay, donc on a un horaire un peu restreint, mais quand même ouvert toute l'année. Toute l'année. Des petites spécialités à la fin de l'année, où on a juste une semaine de clôture entre les fêtes, et la première semaine de janvier, où on est ouvert 7 jours sur 7. D'accord, mais il y a toutes les infos, de toute façon, sur le site internet, évidemment, il n'y a pas de souci. Le site internet, je vais vous laisser donner l'adresse, tout simplement. Oui, donc www.maisondelarivière.ch, c'est facile. Et cette exposition s'adresse à même avec les enfants, on peut venir assez vite, il n'y a pas de souci, ils apprécient tout de suite, c'est assez, entre guillemets, ludique, d'une certaine manière. Alors ça reste une exposition qui est quand même artistique, qui est un petit peu différente du genre d'expo qu'on peut faire en été, où on va plus chercher l'interactivité. Après, voilà, c'est des animaux, il y a des renards, des lynx, des oiseaux, donc je pense que même des petits-enfants peuvent très volontiers contempler ça et avoir du plaisir à le découvrir. Ouais. Il y a aussi une démarche aussi incitative à respecter la nature, et ça c'est important de le rappeler aujourd'hui, plus que jamais. Oui, c'est sûr, et c'est vraiment un personnage qui est très inspirant dans son rapport à la nature justement, qui a un respect énorme de tout ce qui l'entoure, qui est très sensible aussi, c'est ça qu'on aime bien chez lui, c'est qu'il est autant capable de s'émerveiller devant un lynx que devant un escargot dans sa maison, devant sa maison. Et du coup, c'est vraiment attirer l'œil là-dessus et être ouvert à tout ce qui nous entoure et à le remarquer. C'est quelque chose qui est très inspirant venant de lui. Amoureux et passionné de la nature, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Ouais, il est incroyable. Il peut s'émerveiller justement des heures. Et il dit lui-même que la nature, en fait, elle est chaque fois différente. Il a beau passer 100 heures dehors, ça va être toujours des lumières, des animaux différents qui sont présents. Donc, il a vraiment un rapport et une vision de la nature qui est très, très intéressante et importante, je pense. Et importante. Et encore faut-il pouvoir l'apprécier, avoir le temps de le faire. Et lui, il l'a fait et il l'a mis en dessin. Voilà. Et c'est à voir absolument jusqu'au 24 mars prochain à la Maison de la Rivière, à Tolochna. Annie Cardino, merci beaucoup d'être venue nous parler de cette exposition. On rappelle l'adresse internet. Donc www.maisondelarivière.ch. Et les horaires pour l'exposition? Les mercredis, samedi, dimanche, 10h-18h. Voilà, c'est un examen, vous avez vu ça, et je mets une bonne note, il n'y a pas de souci. Merci Aline Cardino. Merci à vous. Un succès, belle journée, merci à vous. Merci beaucoup.